La déclaration du haut responsable européen sur le Sahara marocain a été largement commentée par José Manuel Álvarez, ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'UE et de la coopération, qu'on écoute tout de suite. La position d'Espagne al respecto est la de la déclaration. La position de l'Espagne est claire, c'est celle de la déclaration conjointe hispano-marocaine du 7 avril. C'est une déclaration publique connue de tous. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, l'a bien expliqué. Nuevo, que es exactamente lo que quería decir, es en conseguir una solución política. Il s'agit de trouver une solution politique en adéquation avec les solutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout est très clair dans la déclaration signée avec le Maroc. L'économie marocaine, comme la plus sérieuse, réaliste et crédible, exprime la préférence d'Espagne pour cette solution. Comme le dis, dans la déclaration conjointe hispano-marocaine, la position est très claire. Cette position est conforme à celle de l'Union européenne et rien ne s'y oppose. Nous cherchons tous et mutuellement une solution politique acceptable qui répond aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Porque en el fondo todos buscamos una solución política mutuamente aceptable en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad.